cansada de pedir a gritos un poco de amor, un poco de fe. El amor encontró, encontró. Y se te escapa lento de las manos. Pobre diabla, te has quedado sin aliento. Este amor te ha dejado en un vacío tan inmenso. Pobre diabla, te has quedado sin aliento. Madame, tenez. Fichez-moi la paix, c'est compris? Tu te rends compte de ce que tu as fait, espèce de bonne à rien? Vous m'avez provoquée. Mettez cette fille à la rue immédiatement. C'est une moins que rien. Une pauvre mendiante, une souillon et une dégoûtante. Qu'elle s'en aille. J'ai tout vu, c'est faux. Assez. Je suis Madame Rodriguez Fontanaire et j'exige que vous fassiez sortir cette femme ou sinon, et toi aussi, vous vous retrouvez sans travail. Mettez-la dehors immédiatement. C'est un ordre. Nous sommes désolés, madame. Bon, ça va, ça va. Je peux sortir toute seule. Du vent, du vent. Disparaît de ma vue. Ah, mais oui, c'est ça, oui. Du c'est pas juste. Au revoir. C'est pas juste, mais on va se revoir, je vous dis ça. Mais vous oui, allez entendre parler de moi. Tu penses. Et toi, insolente, tu ferais mieux de chercher un autre job. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Compris? J'ai besoin que tu vérifies au plus vite tout ce que tu pourras trouver sur l'entreprise. D'accord. Mais laisse-moi juste un peu de temps pour gérer quelques affaires personnelles et je m'y mets. Tu es libre pour déjeuner? Ok, ça marche. Ça te dit? Oui, comme ça tu me parleras un peu plus de ce fameux Diego Montenegro dont tu m'as parlé. Oui, et ça m'inquiète vraiment. Je veux en apprendre le plus possible sur lui. Ok, pas de problème. On le voit tout à l'heure. À plus tard. Ciao. Bye. Mais lâchez-moi! Vous me faites mal! Vous me faites mal, je vous dis! Moi aussi, je peux porter plainte, hein. Attendez, il n'y a pas que cette attendez, belle attendez, qui... monsieur. Lâchez-moi. Je vous en prie, lâchez cette demoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous entendez? Mademoiselle. Oui, c'est ce que je suis. Non, mais vous savez, c'est cette femme, n'est-ce pas? C'est elle qui m'a dit toutes sortes de choses et puis... Non, je ça peux va, tout merci. Vous expliquer. Vous ne me devez aucune explication. Écoutez-moi, je connais très bien cette jeune femme et elle est incapable de faire un scandale sans une bonne raison. En plus, je connais parfaitement ce regard. Et là, il est dangereux. Je vous le dis, laissez-la. D'accord? Rebonjour. Bonjour. Bon, de toute façon, je sais que je n'aurais pas dû, mais... Mais c'est cette femme qui me rend folle! Quoi? Non mais, c'est vrai, j'allais prendre une douche et elle a commencé. Et puis j'allais me faire un massage au... Et puis je l'ai pas fait exprès, mais c'était mon tour, je te jure! Bon, et tu as raison. Tu vois? Bah oui, complètement. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que tout ça n'est pas fait pour moi. La vérité, c'est que je n'ai pas l'habitude. Je n'étais jamais venue dans un club et... Non, 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 les non, massages non, non. de ceci et cela... Et... Là, par contre, tu te trompes. Excuse-moi de te contredire. Mais tu as tous les droits d'être ici. Comme tout le monde, c'est vrai, tu es une femme magnifique, tu es très élégante et... En plus, mesdames, messieurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Cette jeune femme ici présente a tout à fait le droit d'être ici avec nous, de nous accompagner parce que c'est exactement... Ne te moque pas de moi. Non, je ne me moque pas. C'est vrai. Tu es très belle. Et laisse-moi t'inviter à dîner. D'accord? Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai des choses à faire. Non, je ne peux pas. Ouais. C'est ton mari? Ah, n'importe quoi. Bon, à plus tard. Ah, ton père? Non. Non. Mais presque. À bientôt. Coco... Comment tu t'appelles? T'es débile. Oui,
puis quand je dis débile, c'est vraiment débile, hein. T'aurais pu lui répondre, aller avec lui, au moins boire un verre, manger une glace, hein. Non, franchement... Bouh ! Ah, mais arrête ! Hé, relax, toi, relax, c'est quoi le problème ? Non, non, c'est rien. C'est juste un mec qui m'a dragué à mort, un vrai lourd, non, je t'assure. Non, non, mais évidemment que tu te fais draguer à mort, t'es trop sexy, toi. Bon, ça te dirait qu'on aille ensemble manger un petit truc ? Eh ben, on dirait que toi aussi t'es intéressée ou quoi ? Ouah, arrête un peu, Paulina. Mais au contraire, tu sais qu'avec moi, t'es safe parce que si qui t'embête, il aura affaire à moi. Bon alors, c'est ok ? On va manger un petit truc ensemble ou pas ? Hé ! Peut-être une autre fois, hein ? Ok ? Ciao. Ok, ciao. Et qu'est-ce que t'as raconté encore, celui-là, hein ? Je t'ai déjà dit que j'aimais pas te voir avec lui. Il m'a dit bonjour. Je voulais juste être polie. Justement, tu ne devrais pas lui répondre. Lui, il est dangereux. Et un de ces jours, tu verras. Et quoi ? Je sais me défendre, non ? Attention, Paulina ! Bonne journée. Tu sais, Paulina, ta mère a raison. Tu ne dois pas t'approcher de ce garçon, il est dangereux, tu sais. Ok, bon, je pars travailler. Va te changer d'abord. Sinon, tu vas salir la robe que Daniela t'a offerte. Quoi, alors, pour la garder dans le placard ? Et Paulina, ne me parle pas comme ça, hein ? Vraiment, il n'y a pas moyen, je sais plus quoi faire avec cette fille, moi. Elle a tellement changé, c'est vrai, elle se fâche pour un rien. Eh ben c'est l'âge, c'est... C'est l'adolescence, rien ne va, il change d'avis tout le temps, et tu, ça tu le sais. Non, c'est la grossesse qui la dérange. Oui. Ça met mal à l'aise. Oui, peut-être, mais ça va lui passer. Ça va lui passer, oui. Toi, ce que tu dois faire, c'est ne pas perdre sa confiance. Qu'elle te fasse confiance pour qu'elle te raconte tout ce qui la tracasse et que tu sois bien au courant de tout ce qu'elle fait. Ah. Écoute ce que je te dis pour une fois et arrête d'en faire à ta tête. Ah. Ne sois pas têtu. Karina, détends-toi. Non, je peux pas. Je te jure que je peux pas, Oscar. Y a pas un endroit où on pourrait se cacher, par exemple ? Et si on allait à Veracruz dans ta famille ? Mais il n'y a rien à Veracruz, Karina. Moi, j'ai déjà du mal à trouver du travail. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas ? Moi aussi, je peux chercher un travail là-bas. Personne ne me connaît. Et tu crois que ton père ne va pas essayer de te retrouver où que tu ailles ? Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que mon père passe cette porte et te non, tire non, dessus ? Non. C'est un appel de chez moi. Ils ont essayé toute la matinée. Pourquoi tu ne réponds pas ? Pour dire quoi ? Si tu ne réponds pas, ça va confirmer que tu n'es pas à New York. En plus, je pense que c'est ta mère qui t'appelle. Elle n'a sûrement rien dit à ton père. Tu crois qu'il sait qu'elle se dandinait dans un club de striptease avec un autre homme et qu'elle t'a vu là-bas en plus ? Non, Karina. Réponds-lui comme ça, tu mets les choses au clair, parce que si elle parle, eh bien toi aussi, tu peux parler. Non. Si je recroise encore cette bonne femme, je ne sais pas ce qui se passera. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Cette femme va devoir apprendre à te respecter. Vous savez quoi, Monsieur Diego ? Mieux vaut laisser tomber, d'accord ? Rebecca doit payer pour tout ce qu'elle t'a fait endurer. Hein, Monsieur Diego, ne vous fâchez pas. Et si on partait, d'accord ? D'accord. Tu veux que nous allions manger ailleurs ? Oui, s'il vous plaît. Oui, mais avant... J'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Oui. Et s'il n'avait pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenue. Et qui c'est ? Ils vont coller à la casserole si tu ne baisses pas un peu le feu. Ben t'as qu'à le faire toi-même ! Karina, c'est pas grave, t'inquiète pas, Karina. Ce ne sont que des haricots. Comment ça, ce ne sont que des haricots ? Si je peux même pas faire réchauffer des haricots ! En plus de ça, je suis morte de trouille en pensant que cette porte pourrait s'ouvrir à tout moment avec mon père derrière. Ah non, encore ! Fais ce que je te dis, réponds à ta mère, demande-lui de te laisser tranquille. Sinon, tu vas tout raconter à ton père. Non. S'il te plaît, fais ce que je te dis, réponds. Quoi encore, maman ? Mais où est-ce que tu étais passée ? Papa ? Salut, papa. Je pensais que c'était maman. Je te le demande. Où es-tu ? Mais comment ça où je suis ? À New York ? Quelle question ?
Alors pourquoi tu ne réponds pas à ton portable? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Bien, j'ai été très occupée à me promener, à repérer le coin et tout ça. Tu me racontes des bobards, Karina. J'ai appelé l'université et ils m'ont dit qu'ils ne t'avaient pas vue. Ne me crie pas après, hein, papa. Je suis allée voir des copines, les cours ne commencent que la semaine prochaine. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je suis plus une enfant. Je ne vais pas te rendre des comptes sur tous mes faits et gestes. Pour la dernière fois, Karina, écoute-moi bien. Et dis-moi la vérité. Où es-tu? Pourquoi tu ne me crois pas, papa? D'accord, d'accord. Je te crois. Je te crois cette fois. On se voit demain matin pour le petit déjeuner, alors. Quoi? Oui. J'ai une réunion d'affaires très importante là-bas demain. Mais j'ai assez de temps pour prendre le petit déjeuner avec toi. Alors, on se retrouve au... Comment s'appelle ce restaurant qui a... C'est le... Brunch House. Celui qui est à l'angle de Lexington et de la 5e avenue. Au centre commercial. Exactement à 9h précise. Père Vincent? Mon père? Regardez qui est là. Je vous présente le père Vincent. Il est comme un père pour moi. Il me dit toujours où je dois aller, il me conseille, me protège, me gronde. Et si je n'ai pas succombé aux tentations de la vie, c'est grâce à Yamina et à lui. Mon père, voici Monsieur Diego, celui dont je vous ai parlé. C'est avec lui que nous vivons, ma marraine, les enfants et moi. C'est un grand honneur de vous connaître, mon père. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Daniela ne parle de vous. Bonjour, enchantée. Je l'ai amené pour parler des détails du baptême, car ça va être lui le parrain. Oui, oui, je comprends. Écoute, Daniela, pourquoi tu ne vas pas à la cantine dire bonjour aux enfants, mais les aider, et voir s'ils ont commencé à manger, parce que je dois parler avec monsieur, hein? Oui, mon père, je reviens. Soyez gentil surtout. Mais oui, ne t'inquiète pas. Écoutez, je veux vous parler très sérieusement. Et pas seulement du baptême. Mais disons plutôt de vos intentions avec Daniela. Parce que c'est pas très clair pour moi. Pas du tout, en fait. Qu'est-ce que tu veux, Tony? Sandra, on peut parler? Et de quoi? Parce que je suis gênée. Ah bon? Pour? Pour Santiago? Écoute, je ne veux pas tout mélanger et tu me plais vraiment. Mais je me sens coupable d'avoir fait ça. Et je crois que je vais dire la vérité à Santiago. Comment, comment? Maintenant vous me demandez de vous entendre en confession? C'est ce qui me fait douter encore plus. Sincèrement, ça m'inquiète au plus haut point. Je me demande vraiment ce que vous attendez de Daniela. Et je trouve extrêmement suspicieux votre comportement envers elle. Et en plus de ça, vous voulez vous confesser? Oui. Je vous le demande. Oui, oui, mais bien sûr. Comme ça, je ne pourrais rien dire de ce que vous m'avez raconté. Mmh. Mais laissez-moi vous dire une chose. Daniela n'est pas seule. Elle a beaucoup d'amis. Énormément de monde l'aime. Et je vous assure que pour moi, c'est comme si c'était ma fille. Parfait. Je souhaite me confesser. C'est d'accord. Ça fait combien de temps depuis la dernière fois? Ça fait plus de 20 ans. 20 longues années! Et vous voulez m'expliquer ce qui vous a tenu éloigné aussi longtemps de Dieu? J'étais en prison ces 20 dernières années. Et pourquoi? Qu'avez-vous fait? Ils m'ont accusé d'avoir tué mon épouse. D'avoir tué votre femme? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, Tony? Il aurait une crise cardiaque. Petite belle-sœur, tu exagères. Santiago ne va ni en mourir, ni venir nous tuer pour ça. Ok, il sera un peu fâché, mais c'est tout. Tony, réfléchis. Ton frère va me détester. Il ne t'aime même pas. D'ailleurs, tu l'intéresses même pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas l'admettre une fois pour toutes. Sandra. Sandra, pardon d'avoir dit ça. Non, tu as raison. Santiago ne m'aime pas, il ne m'aimera jamais. Je le sais. Pourquoi tu t'aimerais avec lui? Parce que je suis une idiote. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Mais j'ai réalisé que non.
Je me rends compte de toute la tendresse que tu as pour moi. Et de tout l'amour que tu me donnes. Et tu sais, rien ne me rend plus heureuse que de faire l'amour avec toi. Je te le jure. Et ce sera encore mieux quand je serai enceinte de toi. Pour piéger ton frère. Mon oncle a déjà réussi à trouver Luther. C'est un bon copain à lui. Et il dit qu'il peut donner de l'argent. Ah, c'est chouette. De toute façon, je vais parler avec Monsieur Diego pour voir si on peut aider aussi. Et ce fameux Diego, c'est ton fiancé? Non, c'est un monsieur très gentil. Et il s'occupe de toi? Et de tes enfants? Oui, et de ma marraine Michaela aussi. Et vous êtes heureuse avec lui? Oui, très contente. Et reconnaissante, car vous savez, c'est un petit ange envoyé de Dieu. Au fait, et ton mari? Ah, mais ça va pas dire ça! Regarde, elle est triste maintenant. Non, 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 je suis pas triste. Santiago, si seulement tu la voyais. Cette femme, en plus d'être belle, belle comme il y en a peu, elle a une dignité hallucinante. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Dans ce monde où nous vivons, il y a peu de femmes authentiques. Et elle, elle est d'une telle authenticité. C'est fou. Je vais te montrer à qui tu as affaire. Mais tu es une femme? Tu t'attendais à quoi? À voir un martien? Santiago? Santiago, tu m'écoutes? Ah, pardon, Luciano, oui, je t'écoutais. Ne crois pas que je... que ça ne m'intéressait pas, mais cette fille dont tu me parles, eh bien, elle ressemble beaucoup à Daniela. C'est qui, Daniela? Daniela, c'est l'amour de ma vie. Mon unique raison de vivre. Et je l'ai perdue. Non, attends une minute. Enfin, tu peux perdre des clés, un téléphone portable, mais on ne perd pas la femme qu'on aime. Qu'est-ce qui se passe? Elle habite chez Diego Montenegro. Pendant ces 20 dernières années passées en prison, j'ai gardé au fond de moi une rancœur tellement grande que je n'en peux plus. Cette rancœur et cette haine passeront seulement le jour où Horacio Rodriguez paiera pour son crime. Pouvez-vous prouver que cet homme a tué votre femme? Non. En fait, je n'ai que la haine et le grand espoir d'en trouver la preuve très vite. Mon père, je dois vous montrer quelque chose. Et pourquoi vous me montrez cette photo de Daniela? Cette photo date d'il y a 20 ans. C'est Daniela, ma femme. La diablesse, c'est notre fille. Bonjour. Bonjour. Tu avais bien vu notre fille dans un club de striptease? Non, non, pas dans un club, non. Tu étais où? Non, non, je n'ai été nulle part. Mais c'est enfin, ce sont tes copines qui m'ont dit qu'elles avaient vu et ça m'a inquiété, c'est tout. Mais non, je n'ai vu nulle part. Non, juste, oui, c'est... Je lui ai parlé. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'elle a dit? On prend le petit déjeuner demain. Ah bon, demain? Oui, demain matin. Mais où ça? Horacio, tu peux m'expliquer où tu vas? Tu veux toujours tout savoir, mais toi. Oui, Horacio, j'aimerais bien savoir où vous allez vous retrouver. Pourquoi? Pourquoi? Je suis sûre qu'elle a tout dit à mon père en plus. Mais non, Karina, non. Je te dis que c'est pas possible. Ce n'est pas logique et ça n'aurait aucun sens. On voit que tu connais pas ma mère, Oscar. Je suis sûre que c'est elle qui a convaincu mon père d'appeler l'université pour qu'il lui dise que je n'y étais pas. Comment je vais faire, moi, demain? Viens là. Comment on va faire demain? Ils vont tout découvrir. Assieds-toi. Assieds-toi, là. Oui. Oui. Allez. Tu sais, si on se débrouille bien, ils ne l'apprendront jamais. Comment? Si tu es déjà là-bas, quand ton père arrive, il n'en saura jamais rien. Comment je suis censée arriver à New York, moi, un vol d'oiseau? Je crois pas que ça sera à la nage, parce que tu es trop petite et bien trop maigre. Ah, Oscar! Aide-moi, ne plaisante pas dans un ne moment comme pas, ça. Ne plaisante pas, je suis très sérieux. Attends.
Pourquoi? Attends une minute. Non, Karina. Tiens. Non. Si, Karina, regarde. Non, Oscar, je ne suis pas prête à dépenser tout l'argent que tu as économisé pour tes frères. Non, garde-le. Non, Karina. Mais écoute, Karina, écoute-moi. Si cela peut servir pour que tes parents nous fichent la paix, c'est tant mieux, ça en vaut la peine. Mes frères peuvent comprendre. Et en plus, je peux travailler la nuit. Hein? Je gagnerai d'autres, ça fait rien. L'important, c'est qu'ils ne puissent pas nous séparer, Karina. Parce que sinon, qu'est-ce que je ferais moi sans toi? Ou bien toi sans moi? Je t'aime, Oscar. Je t'aime. Je ne me suis pas trompée en te choisissant. Une petite minute. Celui qui vous a choisi très cher, c'est moi. Pas le contraire, hein? Merci d'être avec moi. Vous comprenez, mon père, ce qui m'arrive. Ma fille est tout ce que j'ai. Et après toutes ces années, eh bien, j'ai tellement d'amour à lui donner. Tant de tendresse d'un père. Et je ne peux pas les lui donner. Je ne peux pas les lui donner parce qu'Ottilia lui a dit que son père avait assassiné sa mère. Vous avez idée de ce que c'est d'attendre 20 ans pour la tenir dans mes bras, pour l'embrasser, pour lui dire que je l'aime. Je comprends, mon fils. Merci. Je suis sous le choc, et en fait, je ne sais pas quoi vous dire. Seulement de garder confiance et d'avoir foi en la justice divine. Si vous dites vrai, sur la mort de votre femme, vous allez trouver ses preuves. Et Horacio Rodriguez payera pour tous ses crimes en prison. La prison? Non, mon père. Je veux qu'il souffre comme moi j'ai souffert. Que sa femme et ses enfants, lui, souffrent de la même façon que moi toutes ces années passées. Et ensuite, qu'il paie de sa vie pour tout ça. Jusqu'au dernier souffle. Imagine ce que c'est que de danser avec un homme comme ça, de te frotter contre lui, de sentir ses muscles qu'il te dise des trucs cochons à l'oreille. Oh, mais quel obsédé tu fais! Il est bien con, mais ça me fait pas de mal d'être un peu cochonne et libre dans la vie. Non, une nuit sans préjugés. Mais tu es folle, c'est de la perversion, c'est dégoûtant. Comment tu peux... Oui, je sais bien, mais c'est si bon. Non, laisse-toi. Tu es cinglée. C'est pas mon genre, allez. Tu danses, ma belle? Non. Viens, tu vas voir, on va bien s'amuser. Lâche-moi, je te dis que non. Ok, détends-toi, ça va. Moi, j'aime pas la violence, relax. Non, justement, tiens. Bah. Mais... Ceci n'est jamais arrivé. C'est bien clair? Bien sûr. Non. Rebecca, comprends ceci, ça n'est jamais arrivé. Mais enfin, Rebecca, arrête de penser à cet homme répugnant. Oh, il est dégoûtant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Entrez. Excusez-moi, quelqu'un est à la porte pour vous. Qui est-ce? Un jeune homme. Il a un look bizarre, mais il dit qu'il doit vous parler d'urgence. Je lui dis que vous n'êtes pas là. Mais il t'a donné son nom? Non, un nom normal, non? Mais il m'a dit que son nom, c'était Pico. Je lui dis quoi? De quoi parlez-vous? La justice divine est là pour ça.
Et c'est elle qui fait la loi. Ce n'est pas à nous d'agir. Horatio doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il faut que justice se fasse, oui. Mais d'une façon légale. Ce n'est pas en cherchant revanche que vous allez pouvoir trouver la paix. Pensez. Pensez à toutes les conséquences qu'un acte comme celui-ci engendrerait. Ça ne fait rien, mon père. Horatio doit payer de sa vie pour tout le mal qu'il a déjà fait. Et Daniela, alors? Vous venez finalement de retrouver votre fille. Et êtes-vous prêt à la perdre de nouveau? À l'abandonner à elle-même et à la laisser seule? Je vais mettre toute ma fortune à son nom pour qu'elle ne manque jamais de rien. Bon sang! Mais ce n'est pas d'argent dont votre fille a besoin. C'est la tendresse d'un père qu'elle n'a jamais eue. Donnez-lui enfin la chance d'avoir la famille dont elle a toujours rêvé. Récupérez un peu le temps perdu. Et faites que l'amour de votre fille vous aide à compenser ces 20 longues années de haine. Vous avez beaucoup de temps devant vous, Diego. Ne perdez pas votre vie à vous réfugier dans la vengeance. Père Vincent ! Mon enfant, je suis tellement content de te voir. C'est que du bonheur. Je vous ai interrompu. Mais non, enfin, tu ne m'interromps jamais. Non, le père Vincent et moi, nous avions terminé. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Que je suis une personne très chanceuse d'avoir croisé ton chemin. J'ai toujours été tellement attirée par toi, Tony. Tu es si beau. Tellement gentil. Tellement tendre. Écoute, si tu es un peu patient avec moi, je te promets que nous allons être très heureux ensemble. Crois-moi, Tony. Je vais demander le divorce à ton frère. Et toi et moi, on va s'en aller très loin. Toi et moi, partir d'ici? Tu veux? Oui. On pourrait être très heureux. Et personne ne le saura. Jamais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et puis qui t'a dit où j'habitais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je m'inquiétais au sujet de ta fille. Écoute... Pour commencer, je ne vois absolument pas ce que tu viens faire ici, chez moi. Et tu ne me tutoies pas. On n'est pas du même monde. Ok. Voilà ce qui m'arrive quand je cherche à être gentil. Parfait, madame. Je ne vous embêterai plus jamais, ça c'est sûr. Vous savez pas ce que vous perdez. Patrick ? Quoi ? Attends-moi au coin de la deuxième rue. Je prends la voiture et je passe le prendre. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi? Attends-moi. Et bien sûr. Ah, je savais bien que j'étais irrésistible. Ben alors, vous avez bien discuté? Oui, Daniela. Ça m'a fait du bien de parler au père Vincent. Je savais que vous allez bien vous entendre. Vous avez vu comme Monsieur Dego est gentil, mon père? Oui, bien sûr, ma chérie. C'est un homme bon. Qui sait que... qu'il ne doit pas défier la loi de Dieu. Bien. Merci pour m'avoir écouté, mon père. On y va, Daniela? Non, non, je vais y rester une minute, je dois me confesser. Oui. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se libérer, parfois. Merci, mon père. Enchanté. Non, 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 tu peux me tutoyer. Je suis Vincent. Merci. Vincent. Vincent. Je t'attends dans la voiture. Alors, mon enfant, pourquoi as-tu besoin de te confesser? C'est très grave, mon père. Et c'est sûr, je pourrais aller tout droit en enfer avec ça. Non, 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 non. On ne joue pas avec ça, Daniela. Ce n'est pas un jeu, mon père. Je ne respecte pas le commandement qui dit « N'aime pas l'homme qui ne t'appartient pas ». Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est que je n'arrive pas à m'enlever Santiago de la tête, mon père. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et puis... Il est marié avec une autre. Attends, attends, attends. Comment ça, tu l'aimes de tout ton cœur, de oui, tout ton âme? C'est bien ce que je dis, comme ça.
Vous sentez, madame? Oui. Pour longtemps? Ah, je ne sais pas, Télésa, ne sois pas aussi curieuse et arrête de poser toutes ces questions. Oh, mais je demandais juste pour savoir si vous rentreriez dîner. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ne m'attendez pas. D'ailleurs, si Horatio me cherche, dis-lui que j'avais des courses à faire, ok? Oui, madame. Ah, où est-ce que j'ai mis ces maudites clés? Et pourquoi tu rigoles bêtement? Elles sont dans vos mains, madame. Et je le sais, enfin. Dites, madame, vous avez l'air un peu nerveuse. Je peux vous accompagner? Non, je ne suis pas nerveuse et mêle-toi de tes affaires, c'est clair? Oui, madame. Oh, va faire le ménage. Dans cette maison, tout le monde perd la tête, c'est pas possible. Attends un peu, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Si tu aimes Daniela, pourquoi tu es avec Sandra? Sandra est une imposture. J'ai dû me marier avec elle parce que l'un de mes enfants était très malade. J'avais besoin d'un groupe sanguin très rare, et c'était justement le sien. Eh bien, on peut dire qu'ils ont su comment t'attraper, hein, Santiago. Je te jure, à ce moment-là, j'aurais fait n'importe quoi pour sauver la vie de mon fils. Mais enfin, Sandra n'a pas de dignité ou quoi? Cette femme a un gros problème mental. Elle est complètement folle. Oui, ça c'est clair comme de l'eau de roche, sans aucun doute, hein. Ça fait partie de son chantage. Tu sais, selon sa mère et le psychiatre qui la soigne, si je demandais le divorce, elle se suiciderait. Non, 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 non. Santiago, non, tu ne peux pas permettre ça. Et puis non. Tu ne peux pas rester avec elle simplement par pitié, parce qu'elle te manipule. Non, non, bien sûr, tu as raison. Je vais reconquérir Daniela. J'attends juste que le moment se présente pour laisser Sandra. Il faut voir. Ce que tu m'as dit, je ne doute pas une seconde qu'elle ait d'autres cartes à son jeu pour te piéger de nouveau et tomber enceinte, par exemple. Non, non, enceinte, non. C'est impossible. Non, Sandra. Sandra, Sandra, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis ton épouse. Mais comment tu peux oser après tout ce qui s'est passé? Attends, je ne sais pas comment toi tu oses me dire ça après ce que nous venons de faire, mon amour. Madame, je venais juste déposer le linge propre de Monsieur Santiago. Hé, couvre-toi. Parfait, bien, c'est encore sale. Allez, Cendrillon, relave-la, t'es là pour ça. Allez. Oui, je vais juste raconter à Madame Rebecca pourquoi j'ai fait tomber le linge. Tony, elle nous a vus. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle nous a vus, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais. Je sais qu'elle nous a vus, attends-moi. Attendre quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Sandra, je vais aller lui parler. Et pour lui dire quoi? Tony, réfléchis un peu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas, je vais juste lui parler. C'est bon. Mais rhabille-toi au moins. Oui, Augustin, tu as des nouvelles pour moi? Non, monsieur Diego. Je continue de vérifier dans les dossiers d'Exportamex. Et tu as trouvé quelque chose qui pourrait nous servir? Non, pas encore. Je crois qu'une information comme ça, on pourrait seulement la trouver dans les dossiers personnels des Rodriguez. Bien, alors il va falloir trouver un moyen d'y parvenir. Horatio est très nerveux, et il va se défaire de tout papier qui pourrait le compromettre. Il faut absolument qu'on le prenne de vitesse. D'accord. Laissez-moi trouver la solution. Je peux peut-être soudoyer un employé. Fais ce que tu as à faire, Augustin. Mais où étais-tu passé? J'en avais marre d'attendre dans la rue. Et comme j'avais un petit creux, j'ai décidé d'aller m'acheter des chips et un truc à boire. Quel bruit tu fais? Allez, monte et vite. Ah. Non, pas ici. Tu sais bien que quelqu'un pourrait nous reconnaître. Quoi? Dans la rue. Où? Allez, ça? Monte. Non, encore dans le coffre, monte. Non. Monte. Allez, dépêche-toi, monte. Et arrête de te faire prier, on va nous voir. Monte, dépêche-toi. Ok, ma chérie, voilà, voilà. Ah. Hé, relax. Relax. Ah. Oh, Rebecca, où est-ce que tu vas? Je vais au supermarché, j'en ai pas pour longtemps. Hein? Ah bon? Au supermarché? Mm-hmm. À cette heure-ci? Pourquoi? Eh bien, j'ai vu... C'est ça, j'ai vu qu'il nous manquait plein de choses et je vais faire vite, c'est compris? Quelle chose? Du vin, on n'a plus de vin. Du vin? J'en ai pas pour longtemps, je t'assure, j'achèterai bien, je reviens, d'accord? Je reviens tout de suite. Je viens avec toi.
Non, non, je t'assure, si, ce n'est pas si, la peine. Je vais avec toi. Je n'aime pas que tu sortes seule comme ça. Mais je non, t'accompagne. Mon chéri. Non, non, ça ne me gêne pas. Je vais avec toi. Tu ne vas pas. Allez, c'est toi qui conduis. Ah, ah, l'alarme, fais attention. Ah, non, non, ok. Ah, pardon. Je sais que ce n'est pas bien, mon père, mais comment je peux arrêter de penser à lui, hein? Même la nuit, je rêve de lui. Écoute... Oui, 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 je sais ce que vous allez me dire, c'est un homme marié, mais... Non, non, il n'y a pas de mais qui vaille. Mais il s'est d'abord marié avec moi. Même si c'était pour de faux, on ne le savait pas. Et vous nous avez donné votre bénédiction. Nous avons deux enfants. Je suis plus sa femme que l'autre, vous croyez pas? Hein? Si, si, écoute, je te comprends, Daniela. D'une certaine façon, tu as raison. Mais que veux-tu que je te dise? Malheureusement, il a décidé de se marier ensuite avec cette femme. Et devant la loi, c'est elle sa femme. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et il faut que tu sois forte et que tu t'en remettes entre les mains de Dieu pour pouvoir l'oublier. Oui, mais peut-être que Dieu ne veut pas que je l'oublie. Il veut peut-être que nous soyons ensemble avec nos enfants pour former une famille. Hmm? C'est ce que je désire le plus au monde. Pouvoir oublier ce cauchemar qui s'appelle Sandra. Et pouvoir vivre avec Daniela et mes enfants. Tu sais quoi? Ça m'est égal si je dois renoncer à tout ce que j'ai pour y parvenir. Tu l'aimes autant que ça? Tu ne sais pas à quel point. Je l'aime de tout mon cœur. Ce qui nous sépare, ce sont les circonstances. Les problèmes, on dirait que le destin s'est acharné jour après jour à nous séparer. Oui, mais à un moment, c'est toi qui vas devoir prendre le destin entre tes mains. Oui. J'attends juste que ce soit le bon moment pour pouvoir divorcer de Sandra. Et pouvoir tout raconter à Daniela. Que je me suis fait avoir par Sandra. Écoute, je vais être sincère, car tu sais combien je t'aime, Daniela. Ce jeune homme, Santiago, t'a fait énormément de mal. Et c'est quelque chose que tu ne peux ni ne dois oublier. Oh, mon père, vous croyez que je n'y pense pas tout le temps, moi? C'est vrai, je n'arrête pas, je me dis, ouvre les yeux, souviens-toi quand il t'a fait ça, et puis après ça, et puis... Ensuite... Je me souviens de l'amour avec lequel il me regardait, quand il me disait qu'il m'aimait, et alors j'oublie tout le reste. Écoute, Daniela, tu ne t'es jamais demandé pourquoi il avait épousé cette femme, si c'est toi qui l'aimais? Non, mon père. Mais ce soir, il va venir me voir, et je vais lui demander qu'il m'explique. Attends un moment. Comment ça, il va venir te voir ce soir? Oui, mon père. Tous les soirs, quand tout le monde dort, il entre en cachette chez Monsieur Diego pour me voir, enfin, pour voir ses enfants. J'ai de la chance, cette maison, je la connais comme ma poche. Je sais parfaitement par où entrer. Alors, tu peux voir la femme que tu aimes, quand tu le souhaites, sans que personne ne le sache. Au moins, le destin est de mon côté par rapport à ça, non? La chance est avec moi. Et ça a l'air très romantique. Et ça l'est. Je passe mes journées entières à attendre ce moment, je vais pouvoir la retrouver. C'est comme... Les secondes duraient des heures et... Tu sais, c'est ce qui donne du sens à ma vie, être là-bas avec eux. Les sentir. Les voir. Ils sont si petits, ils sont si beaux que... Que c'est ça, simplement ça, qui me fait tenir bon. Et continuer. Explique-moi un peu comment ça vient de voir toutes les nuits. Pardonne-moi, excuse-moi, mais ça c'est un petit peu trop pour moi. Mais on ne fait rien de mal, Père Vincent. Lui, il vient nous voir, prend les petits... leur dit qu'il les aime beaucoup, et c'est tout, on discute. Attends, dis-moi la vérité. Vraiment, mon père, c'est juste ça. Mais... Mais attends une seconde, mais quoi, dis-moi les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si je vais pouvoir résister, mon père. Chaque fois que je le vois, eh bien, j'ai une folle envie, eh bien, de l'embrasser, de le toucher. Cet amour est éternel. Tous ces problèmes auront servi à une chose, c'est à renforcer mon amour pour elle. Je suis complètement sûr que rien ni personne ne pourra nous séparer. Même pas l'homme chez qui elle vit? Non. Daniela a dit qu'il n'y a rien entre eux. Et sincèrement, je la crois. Ok, c'est très bien. De croire ce qu'elle te dit, mais... Tu ne sais pas vraiment quelles sont les intentions de cet homme. Jusqu'où peut-il aller et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Enfin, fais attention, hein. Selon ce que tu m'as dit, c'est un assassin. Et si un jour il te chope à entrer chez lui en cachette et à courir après cette femme... Il pourrait te tuer, Santiago. Non. Vraiment, ça ne me dérange pas. Ce qui m'embête, c'est...
c'est qu'elle soit chez lui. Que Dieu me pardonne et tous les saints dans le ciel alors. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Et de vouloir être sa femme pour toujours. Daniela, je t'en prie, ne parle pas comme ça. Mais je ne peux pas me retenir, mon père. Et si Santiago vient ce soir à la maison, je vais tout lui avouer cette fois. Je ne vais pas m'inquiéter ni pour sa femme, ni rien. Ce soir, je vais aller la chercher et ça sera pour toute la vie. De quoi est-ce que tu parles? Même si je dois utiliser la force, je vais retirer Daniela et mes enfants de cette maison. Ok.